Yo les gens, c'est Razan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MW3 sur la map Érosion en 3v3 avec la CR 6.8 et cette classe-ci, donc celle-ci devrait s'afficher maintenant. Voilà, maintenant vous connaissez le concept, enfin le concept, vous connaissez le montage. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un 3v3 pour une tentative MOAB sur la map Érosion. Donc comme vous avez sûrement remarqué, je suis accompagné de mes partenaires Awel-72 et XDestroyGamer. Et je vais tenter la map donc. Et il faut savoir que ce gameplay date d'hier et c'était ma troisième partie sur ce mode 3v3. Et j'ai rien pour le prouver, mais vous avez ma bonne foi et je vous jure que c'était seulement ma troisième partie sur cette map, voilà, sans essayer de trop bugger. C'était ma troisième partie sur cette map et je dois vous avouer que j'avais déjà vu certaines vidéos dessus. Et donc c'est pour ça que je connaissais à peu près la map grâce aux vidéos que j'avais visionnées. Voilà, donc avant d'aborder un peu plus le gameplay, je veux simplement aborder un point avec vous. C'est que vous l'aurez remarqué sûrement, au début de ma vidéo, il y avait l'intro de Code Q, Code QG, n'importe quoi, de Code Clip FR, de Only Code et de The Community Code. Alors pourquoi avoir mis ces trois intros de chaîne communautaire au début de ma vidéo? C'est tout simplement que j'ai dans l'optique de leur envoyer ce gameplay en espérant être upload sur leur chaîne et du coup essayer d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Et essayer, bon, je vais pas vous le cacher, essayer de faire un peu plus de vues pour faire connaître mon travail à un plus grand public. Voilà. Et puisque je parle d'eux, je voudrais tout simplement les remercier car c'est vraiment un travail énorme qu'ils font. Je vais tout d'abord en premier remercier CodeClipFR vu qu'ils m'ont déjà upload mon Go to the MOAB. Mon Go to the MOAB, le premier épisode. Donc je vais les remercier en premier. Et ensuite, Only Code et The Community Code, tout simplement parce que c'est le même concept, c'est le même concept que Code Clip FR. Et je ne suis pas encore passé sur leur chaîne, mais j'espère vraiment passer sur leur chaîne, voilà, tout simplement. Et je tenais à les remercier pour le coup de pouce qu'ils offrent à de nombreux youtubeurs, car c'est vrai que c'est un coup de pouce, c'est un coup de pub, ça nous aide énormément à nous youtubeurs. Et vraiment, je tenais à les remercier car ils font vraiment un travail énorme et un travail vraiment très soigné. Voilà, donc merci à vous, chaîne communautaire. Donc maintenant, la petite parenthèse est terminée. Maintenant, je vais vous parler d'une autre chose. C'est tout simplement mes prochaines vidéos. Donc là, vous voyez que j'ai plusieurs séries en cours. Donc ma première série, c'est le Go to the MOAB. Donc ça, c'est une série que je vais continuer jusqu'à la fin. Ça, c'est sûr et certain. Donc pour information, le prochain épisode sortira samedi et il regroupera deux gameplays, deux mitraillettes. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas quelles mitraillettes seront mises à l'honneur dans cet épisode, mais c'est des mitraillettes, voilà. Vous voyez que je suis vraiment très très prudent sur cette map, je la connais pas vraiment beaucoup, du coup j'essaie d'être prudent, surtout que c'est une map où les respawns sont très aléatoire, même si bon, j'en ai retenu quelques-uns, mais c'est vraiment des spawns aléatoires. Là vous voyez que j'ai bien galéré sur ce mec, et donc c'est vrai que je faisais toujours attention derrière moi. Vous allez me voir sûrement me retourner souvent pour voir s'il n'y a pas un ennemi qui était derrière moi. Donc là vous voyez que je vais essayer de rester dans les bâtiments, ou en tout cas sous le pont, simplement parce qu'il y a la schiste. Donc ce n'est pas de la camp, je sais que j'ai un détectable, mais des fois, ça m'est arrivé, et je vous le jure, ça m'est arrivé de me faire tuer par un hélico avec un détectable. Donc je voulais vraiment pas prendre de risques, et ceci explique cela, voilà. Un autre point, donc je disais, donc mes projets, donc il y a Go to the MOAB que je vais continuer, ça c'est sûr et certain. Ensuite il y a Road to MOAB, donc ça c'est pareil, c'est une série qui a pas mal marché, puisque c'est ma vidéo qui a été le plus aimée, donc... je suis content que ça vous plaise car je prends énormément plaisir à faire cet épisode en live. Le prochain épisode devrait sortir la semaine prochaine. Ensuite il y a donc ma série, ça c'est pas vraiment une série, c'est Max Payne, mais c'est tout simplement une vidéo découverte
qui va suivre, enfin qui va précéder une vidéo découverte du multi et qui va précéder une vidéo découverte, une vidéo test de Max Payne. Voilà. Et après ces trois vidéos, vous en aurez terminé avec Max Payne, car je ne compte pas faire d'autres vidéos dessus, sauf si le multi est vraiment 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 très intéressant et j'accroche vraiment. Donc, et si vous aussi vous accrochez. Voilà. On arrive gentiment dans les 3 dernières minutes de ce gameplay. Vous allez voir que ça va vraiment être in extremis. Hein. Je vais pas avoir ma moab avant. Enfin, je veux dire. Je vais. Comment dire. Je vais ma moab. Et je vais toujours pas la voir. Alors qu'il va y rester 30 secondes. Donc voilà, je vous laisse un petit suspense. Est-ce que je vais l'avoir ou non? Ensuite, donc au niveau des projets, j'en avais un autre. Alors là, c'est un autre projet sur code. Ça serait. Désolé pour le petit cut là, mais bon. Ça, c'est un réflexe, ça m'a surpris. Donc ça serait une série tuto. Donc ça serait des tutos sur MW3 pour faire la moab selon les maps. Donc ça serait pas un tuto qui dirait par exemple oui alors là je vous conseille de prendre telle arme, là je vous conseille de contourner, enfin faut toujours contourner, faut jouer en silencieux, faut jouer en spécialiste. Non, ça je pense que ces conseils vous les connaissez. Non, ce que je vais essayer de faire c'est des tutos pour avoir la moab sur les maps précises. Que j'ai quelques maps, bon je suis pas sûr de les faire avec toutes les maps, mais j'ai de nombreuses maps où j'ai un certain sentier que j'emprunte tout le temps. Parce que je sais très bien que c'est un chemin qui marche beaucoup et qui me permet de faire beaucoup de frags. Et donc j'aimerais partager ces astuces et ces conseils avec vous. Et j'espère que cette série vous plaira, car ça peut vous permettre de vous améliorer sur MW3. Enfin, je voudrais vous demander si des vidéos sur FIFA 12 vous intéresseraient. Car je suis vraiment un très grand joueur de FIFA 12, j'adore cette simulation de sport. Et j'aimerais vous faire partager des vidéos. Après, j'ai pas trop réfléchi sur le comment. Enfin, si je vais vous faire des lives, si je vais vous faire des tutos, si je vais vous faire, je sais pas moi, des tests d'équipe comme le fait Ronny HD, qui d'ailleurs est un très très bon, très, très bon youtubeur et je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. Je vous la mettrai peut-être dans la description. Donc, ça sera un peu des vidéos comme ça. Ça fait beaucoup de sang. Sans évidemment le plagier et en copiant ses vidéos, ça serait vraiment des nouveaux concepts. Et des vidéos nouvelles et pas du tout pour reprendre ce qu'il fait et ce qu'il a fait. Voilà, on arrive à 1 minute 20, donc là je vous avoue que le stress monte énormément. Vous voyez que je contourne au maximum, je vais jamais au milieu de la map. Je vais souvent, regardez, vous voyez ce petit chemin là. Et bien, j'ai beaucoup l'emprunté tout simplement parce que c'est là que sont souvent les ennemis. Un petit AFK au passage qui m'a bien aidé. Mais c'est vrai que c'est un endroit où vont souvent les ennemis. Et c'est vraiment très peu dangereux dans le sens où personne ne vous voit. Donc là j'ai fail un peu. Et donc pour finir j'aurais une petite dédicace à faire passer à... Donc c'est à Pitbull X27 si je m'abuse. C'est un abonné avec qui j'ai joué aujourd'hui même. Et j'ai passé un très très bon moment en sa compagnie et je lui fais une grosse dédicace. Car c'est mon premier abonné avec qui je joue et ça s'est vraiment bien placé et vraiment je te remercie. Voilà, donc là vous venez de voir que j'obtiens la moab, donc j'étais vraiment content car c'était vraiment in extremis. J'ai le temps de l'envoyer, donc j'étais vraiment content. Et là vous voyez que je vais achever un petit ennemi avant de qu'elle explose, ma moab. Vous voyez qu'il restait 12 secondes, hein, donc... C'était vraiment très 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 chaud. Vous voyez que j'ai obtenu une PP90 M1 mais je ne l'ai pas utilisée. C'était vraiment au cas où que je sois en rap de balle. Mais je n'ai pas dû l'utiliser pour mon plus grand bonheur parce que je déteste jouer avec cette arme. Voilà, donc le gameplay touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. La vidéo est terminée. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Pour de nouvelles vidéos sur Call of Duty, sur Max Payne et pourquoi pas sur FIFA. Allez, prenez soin de vous, ciao!